Fidèles des astrées, utilisateurs de l'internet Katanga, nous vous disons bonsoir, vous qui avez choisi notre chaîne, votre chaîne pour en savoir plus dans les cadres de votre magazine, et vous qui avez l'habitude de nous suivre sur notre chaîne YouTube, nous vous disons encore une fois merci parce que vous avez l'habitude d'écrire régulièrement et surtout de nous faire des messages inbox. Je signale que nous sommes en train de retravailler notre chaîne YouTube, donc la chaîne YouTube du magazine Concret, votre magazine économique. Vos remarques, vos suggestions sont toujours les bienvenues. Nous vous disons merci de nous suivre chaque fois et de nous écrire régulièrement, surtout de nous appeler pour d'autres informations. C'est parti pour ce nouveau numéro. Fidèles astres, fidèles des 7 heures, comme vous venez de constater, nous sommes effectivement dans ce magazine économique Concret. Le magazine économique Concret, la situation économique du pays se porte mal. À chacun ses raisons, à chacun ses raisons. Quand je dis à chacun ses raisons, vous êtes en train de vivre avec nous ce qui se passe en ce qui concerne le carburant. Ce n'est pas la situation seulement de la province du Haut-Katanga, c'est une situation également à Kinshasa et dans quelques provinces de la République. Nous en saurons un peu plus dans les jours à venir, mais il faut dire que cette situation de crise de carburant fait en sorte que les transporteurs se disent qu'il faut augmenter le tarif. Les transporteurs se disent à quel sens se vouer. Lorsque l'on pense qu'on doit acheter 5 litres pratiquement à 20 000 francs congolais, on se pose la question: où est-ce que nous allons? Donc, cette situation de carburant, nous allons y revenir. Je n'aimerais pas m'attarder sur ça. Aujourd'hui, Concret, dans les concrets, nous allons vous présenter un condensé, le condensé de quelques activités que nous avons choisies. Nous avons estimé que ces activités étaient des activités phares, relatives, disons, à la Journée internationale des droits de la femme. On en parle encore, parce que, je vous le dirai toujours, pour moi, la Journée internationale des droits de la femme n'est pas célébrée seulement le 8 mars. Pour moi, ce combat, la lutte des droits de la femme, continue, c'est chaque jour que l'on vit. Donc vous allez suivre dans ce condensé les activités qui ont eu pour marraine la ministre provinciale du genre et famille, madame Léopoldine Condé. Vous allez suivre cela. Il y a un condensé des activités qui se sont passées sous le leadership de la ministre provinciale du genre. Donc les femmes entrepreneurs se sont retrouvées en la salle des conférences d'Aroupé pour échanger sur la situation de l'autonomisation, pour échanger également sur la situation du changement climatique. Vous allez suivre cela dans le condensé. Il ne s'agit, c'est pas seulement de cela, mais il y a eu également une autre rencontre en dehors des femmes entrepreneurs. Il y a eu une autre rencontre là où madame le ministre provincial du genre et famille s'est fait représenter par sa conseillère, où encore une fois il ne s'agissait pas seulement des femmes entrepreneurs, des femmes, mais aussi quelques membres des ONG qui ont eu à échanger sur le thème national, ce thème qui nous appelle à l'autonomisation des femmes, l'égalité des sexes, mais aussi le risque en ce qui concerne les catastrophes naturelles. Vous allez suivre cela dans le condensé, mais aussi dans ce condensé, vous allez également suivre cette descente du gouverneur Jacques Aboulakatoué en compagnie d'une grande équipe, le vice-gouverneur, le président provincial de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Vous allez voir également madame le maire intérimaire, cette femme forte qui se bat pour la salubrité, pour la propriété de la ville de Lubumbashi. Vous allez voir cette descente. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait au fait d'une construction anarchique. Il y a un citoyen congolais qui a décidé d'ériger pratiquement une bâtisse. Et cette bâtisse est rédigée et construite, cette bâtisse est construite le long du rail. Vous savez que nous avons eu des petits soucis dernièrement dans la ville de Kinshasa, la capitale, où il y a eu des morts parce que des vendeurs vendaient tout au long du Macadam à Matadi Kibala. Vous vous rappelez de cette histoire? Il faudrait qu'on soit, que le gouvernement soit responsable, il faudrait que le gouvernement soit ce gouvernement qui voit les choses arriver. Voilà pourquoi le gouverneur Jacques Aboulakatoué a fait ses descentes pour remettre la SNCC dans la Société Nationale des Chemins de Fer dans ses droits, et aussi pour éviter que l'on se retrouve avec des citoyens, des citoyennes congolais, congolaises qui sont en train de construire partout.
qui sont en train, en fait, de faire ce que nous disons, de faire une servitude, et c'est, disons, c'est sanctionné par la loi. Vous allez suivre cette descente. Il s'agit également dans ce condensé, de voir l'inauguration de nouvelles bâtisses, une nouvelle bâtisse, ce qui était autrefois appelé Homme 500. Nous sommes là au niveau du marché Laurent-Désiré Kabila ou encore marché Lusonga. Vous allez voir ce qui existe maintenant, disais-je, là où il y avait le Homme 500. Il y a eu l'inauguration d'une belle bâtisse de ce côté-là. Le ministre en charge des infrastructures, Miguel Cachal, est allé inaugurer. Il y avait également la chef de division des infrastructures, toute une grande équipe, pour inaugurer, disais-je, cette bâtisse. Nous sommes en train de suivre ce condensé, mais dans ce condensé, ce qui m'intéresse encore davantage, c'est de voir qui a eu la deuxième campagne. La deuxième campagne pour les interventions chirurgicales des enfants drépanocytaires. Les drépanocytaires, nous avons l'habitude de dire les enfants SS, donc l'anémie. Vous allez suivre cette deuxième campagne qui s'est très bien déroulée. Nous sommes là dans le portefeuille du ministère provincial de la Santé. Le ministère provincial de la Santé que dirige le docteur Joseph Nzambi. Vous allez suivre que ça a été un succès, cette deuxième campagne des interventions chirurgicales en faveur des enfants drépanocytaires. Dans ce condensé, vous allez suivre. Donc, nous allons dans cette balade ministère, donc gouvernement, donc le gouvernorat, gouvernement avec le gouverneur Jacques Aboulakatou lui-même, le patron de l'exécutif provincial, vous allez voir les affaires foncières, c'est un condensé, le ministère du genre, famille, enfants, le ministère provincial de la santé, le ministère des infrastructures, suivez ces condensés dans les concrets, c'est parti. Chaque jour qui passe, les actions concrètes n'en finissent pas. Le gouvernement Kabila n'accorde pas du repos à ses bras. Dans le secteur sanitaire, les campagnes d'opération gratuites des enfants drépanocytaires ont été une réussite totale. Ces opérations de chirurgie mini-invasif urologique se sont déroulées aux cliniques universitaires de Lubumbashi sous le financement propre du gouvernement Kabila, dans le but de sauver les vies des populations en déficit financier. Le patron de la santé en province, le docteur et professeur Joseph Sambi Boulanda, a assisté à toutes ces opérations. Il s'est personnellement rendu compte de l'effectivité de la dite campagne. Plusieurs parents secoués pécuniairement vivaient dans le désespoir total en voyant les fruits de leurs entrailles souffrir de malformations congénitales sévères. L'acte ainsi posé par le troisième gouverneur du Haut-Katanga a été pour ses géniteurs comme un acte salvateur qui sera à jamais gravé dans leur cœur. Le ministre des tutelles en province a félicité le gouvernement Kabila pour avoir pensé aux plus démunis et s'est réjoui de la qualité des soins administrés aux patients. Ces interventions chirurgicales ont été réalisées conjointement par les équipes médicales de Paris et du Maroc en collaboration avec les médecins locaux. Et dans les secteurs infrastructurels, Lubumbashi n'a pas encore fini de rayonner. Deux bâtiments modernes viennent d'être construits dans le cadre du partenariat public-privé dans ce qui jadis était appelé Homme 500. André Malango, représentant et directeur de cabinet du ministre d'État et ministre national de l'Urbanisme et Habitat Pius Mwabilou, et Miguel Katin, ministre provincial des Infrastructures et représentant du gouverneur de province Jacques Aboulakatoué, ont tous pris part à cette double cérémonie des réceptions et des remises des titres entre l'entrepreneur et l'État congolais. Après plusieurs discours des différentes parties prenantes, le patron des infrastructures dans la province du Haut-Katanga, Miguel Katim Cachal, a loué ses réalisations, preuve de la matérialisation de la vision du chef de l'État en province. De son côté, l'envoyé du ministre d'État, André Malango, va démontrer le bien fondé de ce partenariat public-privé.
Visiblement, c'est une vue somptueuse que donnent ces nouvelles bâtisses érigées en plein centre-ville de Lubumbashi. Chaque passant qui y jette son regard reste ébloui d'étonnement. Les multiples actions des très hautes envergures entreprises par le membre du gouvernement Kabula rentrent dans le cadre du développement et de l'amélioration du vécu quotidien des paisibles citoyens. De ce fait, tous les moyens sont mis en marche pour le bien-vivre et le bien-être des populations. Sur l'avenue des cimetières au quartier Bel Air, c'est une bâtisse de plus ou moins 1000 mètres qui est construite le long du rail de la servitude de la SNCC. Le propriétaire, c'est un certain Musonda Mangi qui a déjà à plusieurs reprises été interpellé pour violation de la servitude de l'État. L'homme a visiblement fait la sourde oreille en décidant de continuer avec les travaux. Informé de cette déviation, l'autorité provinciale Jacques Kiabula Katwe n'a pas tardé d'effectuer une descente sur le lieu, accompagné de son vice-gouverneur, du maire ad intérim de la ville de Lubumbashi, de la commissaire provinciale aux affaires foncières et du chef des divisions du cadastre. Après avoir suivi les explications du chef des divisions du cadastre sur cet empiètement et les faux documents que détient le propriétaire de cette concession, le gouverneur a sur le champ instruit Madame le maire à faire diligence pour remettre cette entreprise publique dans ses droits. A signaler que bien avant qu'il amorce les travaux de construction, M. Musonda a maintes fois été interpellé par les services habilités. L'environnement est un sujet qui intéresse au plus haut point le gouvernement Wandani. C'est au tour de la chef des divisions Femmes, Familles et Enfants que les femmes se sont réunies dans la salle Aroupé en vue de débattre sur les questions de l'entretien de l'environnement, la lutte contre le changement climatique, la réduction des risques des catastrophes et la pollution. Les parties prenantes à ces assises ont échangé sur les conséquences de la pollution, le principe des préventions, des précautions, de l'information, principe de pollueur-payeur et de la couverture obligatoire en rapport avec l'eau et le sol. À la fin de ces assises en faveur des communautés locales, un plaidoyer des femmes des différentes organisations de la société civile du Haut-Katanga a été lu par Madame Annie Kapoufi, présidente du Réseau national des femmes rurales, en vue d'attirer l'attention des entreprises minières sur les activités d'exploitation, sur le climat. Le mois dédié à la jeune féminine a été mouvementé. Cet être qui est une aide incontestable pour l'homme est engagé à tout mettre en œuvre pour le bien-être des Congolais vivant dans le Haut-Katanga. Le ministre provincial du genre, Femmes, Familles et Enfants, dirigé par Mme Léopoldine Salila Kondé, a sous le patronage du gouverneur de province, Jacques Kiabula Katwe, réuni plusieurs femmes entrepreneurs, femmes travailleuses des différentes entreprises publiques privées de la province, ainsi que les femmes des organisations non gouvernementales et membres de la société civile au centre Aroupé, dont l'objectif de les sensibiliser sur l'autonomisation de la femme, les causes et conséquences du changement climatique. La ministre de tutelle a été représentée par sa conseillère en charge du genre, Julie Mahako, qui a salué l'engagement des femmes, leur implication, mais également l'accompagnement de la division du genre dirigée par Madame Kabera Mujiji Mabora. Plusieurs recommandations ont été retenues à la fin de la dite rencontre, entre autres, la promotion de l'entrepreneuriat féminin, la prise de conscience sur la protection de l'environnement et l'assainissement du milieu. Les participants à cet atelier sont sortis richement outillés. À l'instar de leurs collègues hommes, les femmes mettent des concerts la main à la pâte pour accompagner le gouvernement Kiabula à parvenir à ses fins de développement et d'amélioration des conditions de vie des Haut-Katangais.
Fidélisatrices, fidélisateurs, venez là de suivre le condensé de ces différentes activités. Vous avez eu à voir ce qui s'est passé au ministère provincial de la Santé, au ministère des Infrastructures. Vous avez eu à suivre les activités du ministère provincial du genre et famille et enfants, les activités du ministère ou sinon du commissariat aux affaires foncières. Vous avez eu à voir comment le gouverneur Jacques Aboula Katwe, avec cette grande équipe qui a dit non à des constructions anarchiques, qui a dit non à cette construction qui est en train de mettre en mal la SNCC, cette construction anarchique de ce citoyen congolais. Il s'agit d'un certain monsieur Moussonda Mangi, si je ne me trompe pas. Donc venez là de suivre le condensé concret dans le concret. Mais avant de chuter déjà, j'aimerais pour les informations. Les informations, je commençais par le dire. Information, qu'est-ce qui se passe? Le carburant. Il y a un souci. En République démocratique du Congo, en général, il y a un souci actuellement. Le carburant est devenu une denrée très rare, une denrée difficile à se procurer. Nous espérons que les solutions seront vite trouvées entre le gouvernement et les pétroliers. Quand je dis le gouvernement et les pétroliers, j'entends par cela la FEC, la Fédération des entreprises du Congo. Donc il y aura sûrement dans un bref délai des ententes, une solution qui sera trouvée entre les parties pour que la population qui commence au fait à souffrir du fait qu'il y a la rareté du carburant, la population est en train de souffrir. Parce que lorsqu'il y a rareté, cela signifie qu'il y aura hausse quelque part. Et cette hausse ne se fait pas seulement sentir en ce qui concerne le prix de transport pour une course, mais cela se fait ressentir aussi en ce qui concerne, les produits alimentaires, les produits de première nécessité. Lorsque vous observez aujourd'hui les prix, vous vous rendez compte qu'un savon, les coques qui revenaient à 300 francs, 400 francs. Aujourd'hui, ce savon, les coques revient à 600 francs, à 700 francs. Donc, ce sont des effets de cette rareté. Nous parlons de la rareté de carburant qui impacte sur l'économie. C'est pour vous dire que l'économie ne se porte pas bien actuellement en République démocratique du Congo. Ce n'est pas la situation seulement du Haut-Katanga. Bien que le gouverneur Jacques Aboula Katwe se bat en ce qui concerne, j'aime le dire, le bunga, le bukari, en ce qui concerne la vente de sacs de farine de maïs. À ce jour, on ne parle plus de crise en ce qui concerne la farine de maïs dans la province du Haut-Katanga. Coup de chapeau, gouverneur Jacques Aboula Katwe. Il faut le dire, quand il y a des bonnes choses, il faut le dire. Quand il y a des choses qui ne marchent pas, il faut également le dire. Nous disons bravo pour cela, mais nous demandons à ceux-là qui gèrent, la division, disons, la structure des prix, et c'est la division de l'économie, de revoir cette situation. Il y a une hausse exagérée des prix de produits, de consommation de produits de première nécessité. Lorsque vous allez au marché, vous avez des larmes aux yeux. Nous allons y revenir dans concret. Concret dans le concret, il y a un tableau que nous allons vous présenter la fois prochaine sur les différents prix de l'année passée et de cette année. Nous sommes au mois d'avril. Nous allons vous présenter ce tableau. Nous allons essayer de faire un parallélisme en ce qui concerne les prix pour que vous voyez ce qui se passe. Mais aussi, nous allons recevoir un économiste pour que l'économiste nous donne des précisions. Qu'est-ce qui explique cette flambée de prix sur le marché? Qu'est-ce qui explique? Autrefois, on parlait de la Covid. Aujourd'hui, quelles sont les raisons? Je n'aimerais pas me mettre à la place des économistes, je n'aimerais pas me mettre à la place de ceux-là qui sont dans le business, mais j'aimerais par contre que l'on reçoive un spécialiste qui va nous expliquer qu'est-ce qui se passe sur le plan économique, pourquoi en République démocratique du Congo, à l'heure actuelle, le panier de la ménagère souffre de la sorte. Bye bye et à la prochaine.